42 ans, préparateur physique. Le sport. Depuis toujours, j'ai marché à 9 mois, donc ça fait pas mal de temps. Comment je suis tombé dans le sport? Bon, ça m'a paru naturel, j'allais très petit à la maternelle déjà en courant, et je revenais en courant, donc je pense que je suis tombé dedans directement. Un voyage au Népal, une ascension d'un sommet au Népal, ouais. C'est un très bel engagement sportif. Profite de cette journée comme si c'était la dernière. Mon tapis, mon chrono, une gourde. Non, ça vous y attendiez. Non, je vais pas faire ça. Je sais pas, ben de l'eau, parce que je pense que c'est essentiel, on va être très pragmatique. Peut-être une canne à pêche pour que je puisse manger. Et un bon bouquin. Ma pratique sportive est différente parce que je pense qu'avec l'expérience, ça fait maintenant 18 ans que je fais ce travail, j'arrive à ressentir le besoin des gens et j'arrive à être, on va dire, au plus proche d'eux pour pas qu'ils se blessent et qu'ils progressent voilà, en toute sécurité. Sport santé. Pour moi, c'est plus nature. D'ailleurs, dans la salle, on ouvrira souvent les fenêtres et les portes et on ira un petit peu à l'extérieur quand le temps conviendra. La totale et en plus le cardio. Au départ, on passera par une phase de remise en forme parce que le cours sera ouvert vraiment à tout le monde. Mais derrière, ça va monter en puissance, on va travailler tous les muscles en cardio. C'est le principe du fitness training, en fait, du cross training. Donc travaillez tous vos muscles avec des tempos, des temps de pause, des temps d'activité. Voilà, vous inquiétez pas, on passera tout en revue. De la performance, ouais, il y en aura à la fin de l'année. Tout le monde sera performant, ça c'est sûr. Mais au début, je serai bienveillant, surtout envers les débutants. Souvent, on a peur des niveaux, des cours. On ne sait pas à quoi s'attend. On s'attend. L'idée, c'est que tout le monde y trouve son compte. Du débutant au sportif confirmé, j'oublierai personne sur la route. Il ne faudra pas avoir peur des courbatures, je vous le dis. Et pour les cours en physique, en tout cas, je vais faire des zones de travail. Comme ça, chacun sera dans sa zone. Et on limitera forcément les contacts, quoi. Voilà. Donc, on évitera le travail avec des partenaires. Et on délimitera donc des zones de travail où vous pourrez évoluer en toute sécurité. Voilà. J'ai lancé à l'époque un service de visio pour que les gens puissent de chez eux faire du sport. Donc l'idée là, c'est vraiment adapter ce service de sport au télétravail en proposant des capsules de 30 minutes. Vous restez chez vous devant votre PC sans vous changer. Ou vous changerez si vous voulez, vous êtes chez vous. Libre à vous. L'idée c'est que vous soyez devant votre PC, je vous propose pendant une demi-heure une pause dynamique. Vous ouvrez les fenêtres et on part pour 30 minutes. On fera du gainage. On fera du travail de cuisse, du travail de fessier, du travail de bras. Chaque fois, ça sera différent. Et l'idée, c'est de vous proposer une petite pause sport pour que vous ne pétiez pas un plomb devant votre PC. Voilà. Eh ben, j'espère vous voir nombreux et vous allez voir, je vais bien m'occuper de vous.